Situé à seulement 7 km de l'autre côté du pont de l'Ampassa, Franceville 2 occupera une position stratégique au centre du département de l'Ampassa. Ayant été choisie comme la future capitale provinciale du Haut-Ogooué, la terre plate sur laquelle elle repose est déjà prête à être transformée en une ville moderne et contemporaine. Comme vous avez constaté, la route est ouverte, il reste à la travailler. Sous les hautes instructions du président de la transition, président de la République de l'État, il faut absolument que les choses démarrent. Et avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la SCG, le cadastre, le CNE, CETEG, nous avons donc fait une descente de terrain pour venir voir dans quelle mesure les choses peuvent se mettre rapidement en fonction. Le chantier de Franceville 2 est en gestation avec la mise en place de l'éclairage public, le lancement du projet de construction de 100 logements modernes et l'aménagement d'une route principale. Cette future métropole de grande envergure promet de doter la région d'une cité dynamique et fonctionnelle, prête à accueillir ses habitants dans un cadre de vie agréable et bien aménagé. Donc nous sommes ici pour faire en sorte que tout ce qui doit sortir de terre ici soit dans les normes, que les populations qui habitent ici soient dans des meilleures conditions, que les problèmes qui se posent souvent dans la croissance urbaine désorganisée soient minimisés ici à Franceville 2, qui va être une des plus belles villes du Gabon sous très peu. Pour rappel, Franceville est une ville du Gabon, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué et du département de l'Ampassa. C'est la troisième ville du pays en nombre d'habitants.